Allez, let's go. On est contre Jean-Michel TF. Le fun est de mise. Hein. Il joue avec des runes agressives. Il commence au Z. J'ai pas goût du sang du coup. Non, c'est une blague. Oh, vas-y, c'est trop. C'est trop ce sbire là. Quoi? Non. Non, c'est trop, frère. C'est trop. Quoi? Non, mais c'est trop, là. Non, ça va se voir, là, un moment. Frère, quitte à script, joue Xerath, hein. Quoi? Non, c'est trop, là. Les gens vont le voir que je joue avec un scripteur après. Merde. Ah, c'est trop, frère! C'est trop! Quoi, la chatte qu'ils ont à chaque fois aussi! Non, mais frère, c'est trop. Trop marre de ce jeu là. C'est pas juste. Comment je peux être si unlucky à chaque fois? Il est fou de live. Chaque fois que je veux jouer Sunderer, c'est la même chose. Je me fais enculer par un mec à 5 HP. Là, non. Ça, c'est la botlane ennemie, hein. Oui, let's go. Oh, le groupe de mecs à 5 PV là, let's go. What the fuck. Oh merde. Ok, c'est pour ça qu'il a été vers la bot lane, mais il est tellement smart, frère. Il est tellement smart. Ah, je vais mourir IRL pour ça. Merde. J'ai le seum. Il a frôlé la malédiction du triple kill. C'est vrai qu'il faut pas avoir de triple kill en early, sinon c'est lose. Non, ça va, c'est cool. Oh, le max E, il fait mal. Hein. Oh, le max E, il fait vachement mal. Oh, le max E, il fait vachement mal, quand même. Waouh. Le max E plus brillance plus conquérant rechargé, là. Sunderer à 5 minutes 30, là. Ah. Même avec Xerath Elon Musk, j'ai pas mon mythique aussitôt. Ah ben là, je peux dire que le Sunderer, il est bien quand tu l'as aussitôt. Là, je peux dire que le Sunderer, c'est un bon item, ouais. 5.35. Mais attends, mais bro, à l'époque de la Gunblade, j'ai déjà eu la Gunblade aussitôt ou pas? Jamais eu la Gunblade aussitôt. Bon, après, la Gunblade, c'est 200 gold de plus, mais... Je vends ma potion, j'ai 200 gold de plus en soi. Pardon. Je pense. Je sais pas, hein. 5.35.
J'ai cru qu'il était sur TF. Le TF, il veut plus jouer au jeu, il a un cristal de rubis, frère. Il est avec son cristal de rubis et essaie de jouer à League of Legends. Arrête, tu vas te faire mal. Hein. Tu vas tomber, frérot. Il meurt ? Ouais, si. Non, il meurt pas. Non, mais c'est une blague. Et je vais m'énerver à force, hein. Ah, frérot. Heureusement que j'ai récupéré un quadruple kill, hein. Moi, j'en aurais déjà marre de cette game. Allô, lesbien, je veux passer. Encore toi? Non, mais... T'as pas marre, hein. Casse-toi, frère. J'ai vu que ça marchait pas quand tu venais. Faire les raptors, là. J'aurais pas dû utiliser mon R sur TF. Mais... Il fait pas les raptors, là? Il va où? Il va au bot? Oh, attends, TF. Ah, merde. Salut. Action, réaction. Je vois TF, je veux lui péter la gueule. Je vois que je me fais gangbang par Kha'Zix. Tâche sur la plante. Ça dégage. Ça dégage. Mercury first item, le type. Quelqu'un lui explique que je fais des dégâts physiques pour l'instant ou pas, parce que... Mais ça va être gênant, là, du coup. TF top. Je suis vraiment désolé. Putain, il vient de leur flex dessus, là, j'ai pas rêvé. Attendez-moi la team. Allez, l'équipe. Je vous jure, ils vont mourir. Salut. On va laisser la wave comme ça. On laisse les golems, s'il te plaît. Ah putain, je peux pas dash le mur, du coup. x9, nous bregard. Trop marre. Ils sont trop cons. Mais je TF, on dort, là. Ah, j'ai un sum absolu, là. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est invisible! J'en ai rien à foutre, je le chase. Hein. Ah. Je cancel 20 autos par seconde, sympa, non? Mais moi, au moins, j'ai tué des gens. Bon, par contre, je vaux 1000 balles. Ah, oh, j'ai pas de saut noir. Quelle vie. Quelle vie, j'ai pas de saut noir. J'ai pas de bot non plus. ...58 CS, sympa, hein. Je vais me faire un saut noir. Hein. Faut Arzonia pour sauver le shutdown. Ouais, mais je peux pas jouer une game de kata sans don de Nashor, quand même. On va se calmer. J'ai de l'AP ou de la DL, hein? Ah, j'ai de l'AP, c'est bon. Ah, j'achète juste une baguette explo et j'ai déjà trop d'AP. Là, j'ai un Dark Seal aussi. Après, juste la baguette d'explos, c'est trop. Hein. Ça donne que 40 d'AD. Mais Jaya Instant. Bah oui. La game va être dure quand même.
pas l'habitude encore de jouer avec ce build. Je pense pas que Kha'Zix puisse venir. Je vais prendre la plaque et voir si on peut les bot. J'arrive par là. Ah. Chance. Ah, il y avait encore l'ulti sur elle. Mais on n'a pas d'ADC aussi, je viens de voir. C'est Omega loose cette game. Ils vont faire foulerer mes Zelouz. Ah, j'aurais pas dû utiliser mon Z pour me rapprocher du coup parce que j'ai pas pu de dashin après. Je pensais pas qu'elle avait encore son R là, Xayah. On est en D1 là, louche. Quand même 7 Rengar s'ils font full RM. Ouais, mais Snooks aujourd'hui. J'ai un enculé. Oh le 7. C'était mort. Même c'est que TF c'est vraiment un champion de con aussi. J'étais vu. J'ai été vu. Je comprends qu'on ait un meilleur early avec ce build, mais je sais pas, le scaling fait tellement peur. J'aurais tellement plus de dégâts avec une dent de Nashor là. Après sans la Chine, j'aurais peut-être pas fait le quadra kill, mais... TF qui arrive. Non. Une flash sur TF. Lyon est mid. Je pense qu'ils ont la tour sans moi, on va aller défendre le mid plutôt. Kha'Zix ici. Kha'Zix qui a fait demi-tour en mode je pouvais lui péter la gueule maintenant qu'il a autant d'items que moi. Genre. Donc il y avait littéralement aucun monde où je gagnais ce 1v1. Je tiens à le dire. Dès que j'ai la dent de Nashor, la game est gagnée, je pense. Donc 150 gold. Nice. Ils veulent pas go, là. Peut-être faut penser à utiliser les E quoi, parce que c'est vraiment le E qui fait des dégâts dans le build. Là. Salut Soraka. Il regarde juste le KDA Kha'Zix. Et en vrai ça c'est le gros problème de plein de joueurs hein, dans la méta shutdown. Là. Ils regardent les kills et ils se disent bah, c'est bon on est bien. Après j'ai beaucoup de gold aussi. Peut-être la sauver en vrai. En vrai de vrai, je pouvais peut-être la sauver. Après, en vrai, le double kill en 1v2 que j'ai fait sur le. Je fais Zhonya ou Medjay là ? Ouais, je peux faire ça sinon. En vrai, le Zhonya est fort. Non ! Ok, je suis pas sorti.
Zonia est fort de ouf dans ce... dans cette config. Nashu OS Rabadon. C'est qu'en vrai, la bande Nashor fait plus de dégâts que le Rabadon sur Kata. En vrai de vrai. Ça, je suis désolé. Pour YouTube, j'aurais fait Rabadon. Ah, il faut montrer ce qui est opti à YouTube quand même, les pauvres. Faut pas leur montrer de la merde. Ça proc sur quel sort le profondeur les dagues, le R et le E. Après, le problème c'est que je suis tellement fait que je peux pas avoir un avis objectif sur ce fight. Genre. Oula, what? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? La dent de Nashor, en plus, vous n'avez 100 d'AP, elle augmente les dégâts de la grande majorité des sorts de Kata. Genre. Avec Leon Hit. Je pense que Xayah va récupérer son R là. Tu ramasses la dague, ça applique les effets à l'impact, c'est ça. Content lui. J'ai pas de mercure cette game, faut que je fasse gaffe. Clairement là avec Rift Proto ou même Luden t'aurais fait les mêmes dégâts. Après c'est surtout le sustain qui est fort avec ce build et l'early parce que bon, on connaît les dégâts des items. Hein. Là on sait qu'on fait moins de dégâts que si j'avais Proto Belt dans le Nashor, mais le truc c'est est-ce que j'aurais été aussi fed, tu vois, c'est ça la question. En fait le but du build c'est d'être dans la plus grande majorité des games aussi fed. C'est ça le but du build. C'est un peu comme le build Xerath au final de Elon Musk. On n'entend pas chouiner qu'il a pas de kill cette game. Bah c'est fou ça hein. Et étrangement, on a autant de kills que la game d'avant, sauf que la game se passe bien. Je me demande ce que ça sous-entend. Est-ce que ça sous-entend que... la Shyvana de la game d'avant était un enculé? Je sais pas. Ah. Très bien. C'est cool ce Raka aussi comme perso. Ouais! Le pata! J'arrive TF! Viens là! Le problème c'est que j'ai plus de Zonia, j'ai plus rien. Ah merde, bon là je suis bien vu là. TF! Viens! Ouais, il y a 7 secondes avant que la Xayah spawn. Les runes elles sont là, cieux. Après les runes là c'est principalement parce que j'avais envie d'avoir de la ténacité et que j'ai pris ça. On aurait pu faire goût du sang et... et Relentless Hunter ou Eyeball, ça aurait été aussi bien. Pas chapeau P, monsieur TF. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu pour le Penta, les gars. Je pense que dans ce build, on fait souvent un Medjay aussi, hein, à mon avis. Est-ce que je le fais, là? Ah. Tant qu'à faire. Ouais, j'ai rien d'autre à acheter en soi. Ah merde, l'arrêt trinket. Oh, ça c'est plus en 7 possible. Hein.
Ça, c'est plus censé être possible. Rabadon, c'est pas fou pour le build. Je pense Rabadon, c'est bien. La place du Medjay, si on n'a pas besoin de bâton du vide. En fait, je me dis... Bâton du vide à la place du Shadow Flame et Rabadon à la place du Medjay, tu vois. Ah, c'est sur elle. Bon. Bah, pour l'instant, premier avis plutôt concluant de ce Sunderer. Remplacer les bots, non. À la limite, si on jouerait l'Endless Hunter et qu'on a Lich Bane, mais en vrai, la move speed, c'est si fort sur Kata. En vrai, je pense pas. Bon, merci YouTube, en tout cas. Quoi de mieux comme exemple que cette game pour le Sunderer. Mais bon, je pense quand même que le build AP est pas dégueu à côté. Hein. En vrai de vrai. En vrai de vrai, je pense que ça vaut pas le... En fait, le build AP a un meilleur scaling, by far. Et ça, c'est un meilleur early, donc ça dépend des games. Hein. Le quadra, je l'aurais eu, mais j'aurais jamais eu le double kill en 1v2, hein. Ça c'est sûr. Le double kill en 1v2, c'est 100% à cause du Shin. Hein. Il était exceptionnel, ce double kill. Hein. Non, la bolasse que t'as mise au début, elle est vraiment pas légale. Hein. Tu l'as fait exprès? T'as vraiment anticipé le flash? Non, je pense que tu pensais juste qu'il allait s'enfuir. Et en fait, il est pas parti là où tu pensais et après, il a flash. Bon, du coup, merci YouTube. J'ai montré les dégâts, hein, c'est bon. Passez une très bonne journée. Je crois que... Ouais, il y avait la musique en fond, donc... Peut-être YouTube qui va faire chier, donc peut-être qu'elle sera montée, je sais pas. On verra. Merci à tous, en tout cas. Passez une bonne nuit. Enfin, une bonne soirée. Et à ce soir en live. Bye bye.